La gouverneure intérimaire du Kasaï-Oriental, Julie Kalinga-Kabongo, a consacré la soirée du samedi 4 novembre à la visite des consolations des familles éprouvées à la suite des échauffourées survenues en début de semaine dans la ville de Mbujimayi. Accompagnée de membres du Conseil provincial de sécurité et quelques membres de son cabinet, la chef de l'exécutif provincial a commencé par visiter la famille du jeune Robin Mukendi. Ici, Julie Kalinga-Kabongo compatit avec le père de l'enfant en le réconfortant avant de lui remettre une assistance. Ensuite, l'autorité provinciale s'est rendue dans la maison du deuil où elle a trouvé des mots appropriés pour consoler les cœurs brisés. Non loin de là, Julie Kalinga-Kabongo a visité la famille du jeune frère Amundadi qui a perdu la vie lors de ces événements malheureux et prise de tristesse. La femme au cœur de chair s'est adressée aux parents de la victime en présentant ses condoléances. Après avoir émis une assistance, elle s'est adressée à la foule consternée. L'autorité provinciale a appelé tout le monde au calme, promettant de tout mettre en œuvre pour que justice soit faite et que la paix soit préservée dans la province du Kasaï-Oriental en général et dans la ville de Mbujimayi en particulier.